Alors, bien évidemment, point de compétence. Je vais partir sur une nouvelle attaque, peut-être? Non, c'est une très longue. Ouais, quoique. Aux angles, les PM de 1. Je vais prendre une nouvelle attaque. Il va y avoir un truc. Là, c'est encore une pierre comme on a eu tout à l'heure. Enfin, nous arrivons. Un sort a été jeté, attention. Cette fenêtre cache ma prison. Ok. Qu'est-ce qu'on doit faire? Ouh. Ok, je comprends. Ah. Libérer une fenêtre. Mais il manque un caillou. Qui ose défier la reine de la nuit? Une petite chose aux cheveux de feu. Ce n'est qu'un rêve. Reprenons nos esprits. Ça me semble bien réel et périlleux. Rayon lumineux. Ouille. Action. J'ai plus de points de magie. Ça, c'est du combat de boss.
800. Poudre de magie. Madame, voici Aurora. Je suis prisonnière de ce rêve malgré moi. Je voudrais m'éveiller maintenant. Une vision. Prends ma main, mon enfant. Il était une fois une jolie contrée, aux vallées scintillantes et aux pics enneigés. La nuit des châteaux en ruine prenait vie sous les feux d'albâtre. De la lune montante et des astres, sur ce lieu régnait une reine de lumière, belle et radieuse comme l'aurore. Flânant dans son palais solitaire. Puis une nuit, d'elle il n'y eut plus trace, la reine avait disparu et avec elle son éclat. Ainsi les ténèbres prirent sa place, dissimulant l'usurpatrice Umbra, qui changea ses filles d'un crime odieux. Elles volèrent le soleil, les étoiles et la lune, les arrachant des cieux, et la nuit suivante, ô infortune! Les créatures d'Umbra envahirent les Muria, nos vies effacées d'un claquement de doigts. D'accord. Madame, pour cette histoire, merci. Je souhaiterais m'éveiller à présent. Mon récit t'a-t-il donc endormi? Je n'ai rien inventé, mon enfant. Tout autour de nous s'étend les Muria. Rien de ceci n'est un rêve, Aurora. La seule issue, un lien magique, un miroir derrière le trône, volé par Umbra, la reine maléfique. Pour enfin rentrer chez toi, tu devras chasser l'obscurité, avec les étoiles, le soleil et la lune pour allier. Non, impossible, mon père m'attend. La Luciole a dit que vous m'aideriez pourtant. La Luciole a un nom. Reprends courage, voyons. J'ai créé Igniculus pour t'aider. Un insecte minuscule? Quelle idée! Jamais je m'aurais rapporté les étoiles, le soleil et la lune. Courage, tu peux y arriver. Pour le soleil et la lune, vise l'endroit le plus haut et le plus bas. À l'endroit d'où tu viens, il te faut retourner. Passe l'autel sur lequel ce jour tu t'éveillas. Franchis un arbre noueux, aux épines affûtées. Et réunis tes camarades au fil de tes pas. Et les étoiles, pauvre de moi. Comment atteindre les cieux? Cher enfant, la réponse est là, au-dessus de toi. Ouvre les yeux. Et là, Aurora, la flemme, elle fait rien de ça, et pouf, fin du jeu. Bon, il doit... S'il y a à manger, en vrai, on peut avoir la flemme. S'il n'y a pas à manger, c'est compliqué. Oh, je suis une fée. J'arrive une fée. Me voilà dans les airs. Aurora, tu es une enfant de lumière. Écoute-moi bien. Cette couronne enchantée, vois-tu? Sur ta tête, toujours elle doit rester. C'est entendu? Une dernière chose, avant de m'en aller, si jamais l'espoir venait à te manquer... Merci. À quoi sert-elle exactement? Navré, je ne t'entends plus, mon enfant. Aurora, adieu, adieu. Oh, attendez, je... dois savoir, mon père, il va bien. Hormis la nuit, je n'ai plus rien. Non, t'es juste sous stupéfiant, c'est pas la même chose. Elle se languissait des siens, une famille la croyant perdue dans la quête du soleil et de la lune, et d'un père en chagrin. Et quelque part dans la nuit, sur un trône ne lui appartenant pas, l'usurpatrice Umbra brûlait, d'éteindre la flamme d'Aurora. Ah, trop d'endroits.
Attends, je peux voler à l'infini, c'est trop cool. Vas-y, je suis une fée, je veux pas revenir dans le monde des humains, moi. Par contre... Mais déjà, j'ai un point de compétence à les mettre. Là, c'est quoi? Augmente la défense magique de 5 de façon permanente. Non, j'ai augmenté mon bonus PM. Fascinant! Quel bonheur de voler! C'est grisant! Vers le ciel, en avant! Vers l'ouest. Ma foi! L'on peut difficilement se tromper. Sur la gauche, dirigeons nos ailes. Pour voir l'arbre aux épines se dresser. Le ciel, vers le ciel. Ah, j'ai le cœur indécis. Dois-je fuir mon frère, moi également? Bonjour. Excusez-moi. Jeune fille, avez-vous aperçu des ballons colorés? Des licornes montées sur des échasses? Ou de splendides tentes à rayures. Voulait-elle dire rayer? Tout cela me dépasse. Ma parole, il m'a abandonné, ce coquin. Madame, seriez-vous un arlequin? Regardez, il m'a écrit ce fripon. Voulez-vous dire vaurien? Que sont ces gribouillis? Je ne comprends rien. Eh ben, Luciole, c'est du latin. Ma chère sœur Rubella, la nuit est tombée sur nos terres. En ces temps sombres, l'on doit se tenir droit et fier. Et là, sans hésiter, la moindre seconde, il faut jongler avec le poids du monde. Et si l'on glisse et tombe aux portes de la mort, se relever bien vite et danser encore et encore. En bref, rire ou ne pas rire, telle est la question. La réponse est simple. De mon cœur, je prends la direction. Et rejoins le cirque itinérant dans les plaines avant son ascension. Ma sœur, n'y vois aucune malice. Ton frère, Tristis. Tristis a donné le glas de notre duo. J'ai toute déboussolée. Il a quitté Rubella sans un mot. Moi, la chanteuse la plus talentueuse. Oh, la plus douée. Navré, nous avons affaire à régler. Et nous pouvons nous attarder. Jeune fille, puis-je vous accompagner? Vraiment, ce serait fantastique. Mon frère, je dois le retrouver. Pour sauver notre numéro burlesque. Non, voyons. Comique. Sachez que la route sera périlleuse. Parsemée de créatures curieuses. Je suis une acrobate confirmée. Vraiment inutile de s'en faire. S'inquiéter. Rubella rejoint le groupe. Ce monument est singulier. Ok. Ouf. Alors action. Ah, tu peux soigner, très bien. Frappe sur l'araignée. Action, magie. Qui a besoin de soins? Pour le moment, personne. Oh non. Interruption. Action. Soin sur toi. Ah oui.
Nectar des fées. Ok. Alors, par contre. Alors, actuellement. On a soin. Est-ce qu'on a un truc pour améliorer le soin? Immunisation protégée. Non, moi, je veux un truc pour améliorer le soin ou alors améliorer la force, du coup. Ah, j'ai 6 points de compétence. Ici, ça augmente les PV max. Je prends. Il me reste 4 points. Est-ce qu'il y a quelque chose qui, par exemple, ici, augmente les PV? Augmente les PM, oui, je prends. Confère d'être... Je ne suis jamais atomisé. Si les cirques n'étaient pas mon destin, avec une belle carrière à la clé, je resterai avec vous, c'est... sûr. Ou plutôt... certain. Navré, je ne peux rester. J'ai un public à divertir. Assurément, vous voulez dire amuser. Non, est-ce qu'ici j'ai des trucs à aller récupérer? Non. Par là, non. Par contre, dans la maison, il y a des trucs à aller chercher. Ah oui, je me rappelle. Tac, ici. Très bien. Action en taille sur... Touché. Alors là, je vais choisir. Augmente la magie. Ça améliore la défense. Ok. La bonus magique. Bah, je vais prendre un bonus magique. De défense magique.
Et ben voilà. On explore. On continue. Et on vient de tourner dans l'arbre pour revenir ici. J'ai besoin de récupérer ma vie. Hein. Nickel. Tu vas commencer par quoi? Résurrection, non. Utilisation, soin, frappe. Action, rayon lumineux sur lui. Alors action, tu vas aller soigner Aurora. Ouf. Vas-y, une frappe sur toi. Sur Aurora. Alors, on va te mettre quoi comme pouvoir ici? Contre-soin? Ou alors, augmente les PV, bah oui. Croix, croix! Ah bah, je me disais bien qu'il dirait croix, croix. Action, frappe sur l'araignée. Action... Mais... Oh. Allez. Esquive. Esquive ou attaque, c'est ça? Allez, bonus de magie.
Mais dis-moi que je fais une attaque surprise. Très bien. Alors ici... Allez Aurora, c'est pas juste un paquet de PV. Hop, et ici on va lui donner quoi? On va lui donner contre-soin ou alors... Ouais, contre-soin. Je prends tout. What? Oula, on a une nouvelle bête. Rayon lumineux sur lui. Et toi, tu vas me faire une petite frappe sur ça. Vas-y, une défense. Non, tape l'araignée avec toi. Flash sur lui. Allez, oups les araignées.
Victoire. Alors, je vais lui donner quoi ici? Bon, de la défense. Non, je vais mettre de l'esquive. À gauche, l'hôtel de Mathildis. Ouais, c'est par là qu'on va. Potion magique. Bonjour ici. Ah, c'est verrouillé. Ah, et ici, verrouillé aussi. Mince, ils m'ont pris en embuscade. Action, pas le choix, défense. Allez, fais disparaître le fantôme. Tu vas t'auto-soigner. Bien évidemment. Là, on n'est pas loin de l'endroit où on a commencé, je suppose.